Madame, Monsieur, bonjour. Excellent vendredi à vous et merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Avant de recevoir nos consultants habituels, à savoir Maître Bomba, qui aujourd'hui encore a de nombreuses astuces pour vous faciliter le quotidien, et le docteur Brou, avec qui nous allons achever le sujet entamé hier, nous allons recevoir Monsieur Touré Lassiné, directeur général de la MUGEFSI, qui va nous parler de la participation donc, de la MUGEFSI au CIMA, Salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être là, soyez le bienvenu. Merci. Alors, je l'ai dit, vous êtes là pour parler donc, de la participation de la MUGEFSI au CIMA. Oui, tout à fait. On va commencer par dire ce que c'est que la MUGEFSI. Oui, je vous remercie. La MUGEFSI, c'est une institution mise en place par l'État depuis 1973, pour aider les fonctionnaires à prendre en charge leurs besoins de santé par un système contributif, notamment donc, la couverture maladie et la couverture en médicaments, donc des fonctionnaires et agents de l'État, en activité comme à la retraite, ainsi que pour leurs familles. Alors, quels sont les différents services justement que vous proposez ? Eh bien, je l'ai dit brièvement, les services offerts par la MUGEFSI sont au nombre de trois. Il y a un service qu'on appelle le régime de base qui existe depuis sa création, qui consiste donc à prendre en charge le fonctionnaire, notamment pour ses besoins en médicaments, à hauteur de 70%, à charge pour le fonctionnaire lui-même de payer directement au niveau de la pharmacie où il se présente les 30%. Ça, c'est le premier service que la MUGEFSI offre depuis toujours. Le deuxième service a commencé en 2002, c'est le produit complémentaire maladie Ivoire Santé, qui permet aux mutualistes donc de se rendre dans les cliniques du réseau de la MUGEFSI ainsi que dans les hôpitaux publics pour être couvert à hauteur de 80% à charge pour lui de payer le ticket modérateur de 20%. Et ce produit Ivoire Santé est très très compétitif parce qu'il ne coûte que 15 000 francs par mois et permet donc aux fonctionnaires qui a souscrit à ce produit d'être couvert avec toute sa famille jusqu'au nombre de 10 personnes. Il y a le dernier produit complémentaire que nous offrons aux fonctionnaires et à leurs familles, le produit contre le risque décès, le risque maladie, invalidité. Et donc, ce produit qu'on appelle Ivoire Prévoyance est exceptionnel parce qu'il ne coûte rien du tout, il ne coûte que 3 000 francs par mois et permet aux fonctionnaires donc, de faire face au risque décès en octroyant un certain capital en termes de frais funérailles ainsi que capital décès au cas où le risque décès ou l'accident d'invalidité arrivait à se produire. Très bien. Alors la souscription à la MUGEFSI est automatique pour tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ? Tout à fait, tout à fait. Selon les dispositions du décret qui a créé la MUGEFSI en 1973, dès l'instant où vous êtes fonctionnaire, automatiquement on commence à vous prélever. La filiation est donc obligatoire. Cependant, les produits complémentaires qui datent de 2002 sont des produits facultatifs, mais notre dynamique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les fonctionnaires puissent donc avoir une protection sociale, une sécurité sociale beaucoup complète, à savoir les médicaments que le régime de base prend en charge, ainsi que l'hospitalisation, les consultations, les imageries que Ivoire Santé prend en charge, et aussi les questions donc, de frais funéraires, capital décès, au cas où le risque décès se réalisait, ce qui est couvert donc par Ivoire Prévoyance. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les fonctionnaires en activité comme à la retraite puissent souscrire donc à tous ces régimes. Très bien. Alors, vous participez au CIMA, oui. Salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Oui, la MUGEFSI est un produit qui concerne les fonctionnaires. On peut se demander pourquoi est-ce que vous participez à ce salon ? Oui, mais il faut savoir que le Salon ivoirien des métiers d'Abidjan est pratiquement une institution. C'est une institution, une initiative gouvernementale qui est à saluer parce que c'est un carrefour de rencontres entre les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi. Et donc, c'est une occasion pour nous, la MUGEFSI, de montrer ce que nous savons faire. Il faut retenir que nous avons 40 ans d'existence, nous avons une expérience. Et c'est un carrefour où, effectivement, quand on parle d'emploi, ce n'est pas seulement emploi pour la fonction privé, c'est aussi pour les fonctionnaires, pour les fonctionnaires en devenir. Donc, c'est une occasion pour nous, effectivement, de montrer ce que nous savons faire, d'expliquer aux futurs fonctionnaires qu'il existe une sécurité sociale pour eux. Et c'est pour cette raison que nous aimerions saluer et remercier donc cette initiative gouvernementale, en remerciant vraiment si besoin en était encore,
Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle, qui a bien voulu nous offrir donc un stand, une lucarne pour la MUJEFSI pour qu'on puisse venir justement se faire connaître. Très bien. Alors pour finir, un message particulier à l'endroit des mutualistes et puis de ceux qui vont se déplacer pour visiter votre stand. Oui, bien sûr. Il y a un message. Le message particulier, c'est de demander à tous ceux qui vont au salon de l'emploi, pour ne pas dire au salon ivoirien des métiers d'Abidjan, qui a commencé depuis le 15 et qui doit finir demain le 17. Notre message particulier, c'est pour tous les fonctionnaires en activité comme à la retraite qui vont donc à ce salon-là. Nous souhaitons qu'ils viennent massivement au salon, qu'ils visitent tous les stands, mais en particulier, et charité oblige, la charité bien ordonnée commence par soi-même, qu'ils commencent par leur maison, le stand de la MUJEFSI qui est à leur disposition, qu'ils sachent à travers ce stand ce que c'est que la MUJEFSI, les services que la MUJEFSI offre, tels que je les ai définis à l'instant. Alors, vraiment, le message, c'est que ce salon est une aubaine, c'est une occasion vraiment où le gouvernement veut, en tout cas, booster la problématique donc, de l'emploi. Nous souhaiterions, nous aimerions effectivement que toute la population vienne à ce salon, qu'ils visitent tous les stands, notamment les jeunes. Donc, ce salon est gratuit, l'entrée est gratuite, il est ouvert au grand public et la MUJEFSI, au cœur de ce salon, et les attend en tout cas à bras ouverts. Très bien. Merci encore, M. Touré Lassiné. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Alors, on rappelle que M. Touré Lassiné est directeur général de la MUJEFSI, justement, qui participe au CIMA, Salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Tout cela se déroule au Palais des Sports de Trècheville, du 15, donc depuis hier, et cela jusqu'à demain, 17 mai 2014. Merci encore. Merci. Alors, beaucoup, je vous informe également que Fréquence 2 a un stand au CIMA. J'y étais ce matin pour l'enregistrement d'une émission et vous pouvez visiter, de même que le stand de la MUJEFSI, le stand de Fréquence 2. C'est très instructif et il l'a dit, l'entrée est donc gratuite. Merci encore. Il est temps pour nous de se tourner vers Maître Bomba. Je sais que vous l'attendez impatiemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ses chroniques et à demander de plus amples informations. Tout cela, ce sera après le jingle Énergie Positive. Maître Bomba, bonjour. Bonjour, Eva. Alors, la forme ce matin? Oui, oui, ça va. Très bien. Alors, bien merci, vous également. On va démarrer avec les jours favorables justement, pour justement chercher de l'emploi et pour se réconcilier avec sa moitié voilà, si besoin. Justement, parce que là, il faut dire que les gens ont beaucoup appelé pour demander. Donc, concernant l'emploi stable, j'avais dit qu'il faut le 5. Bon, le 5 est déjà passé. Donc, on va commencer directement le 16, le 17, le 18. Le 20, le 26 et le 27. Ce sont les jours qui sont vraiment très favorables pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. Vous voulez déposer une demande, vous pouvez faire l'un de ces différents jours-là. D'accord. Maintenant, et vous passez également au CIMA, salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Ouais. C'est complémentaire, je pense. Okay. Alors, pour se réconcilier avec... Maintenant, pour se réconcilier, d'abord pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, on a le 10, bon, le 11, bon. Bon, on a, pour l'harmonie surtout, hein, on a déjà dépassé le 4, le 9, le 10. On peut parler maintenant du 18, du 23, du 26 et du 29. C'est-à-dire que s'il s'avère que dans votre couple, vous avez des différends avec votre partenaire, c'est le jour idéal vraiment pour en parler. Vous allez voir que les choses vont vite rentrer. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur ces deux aspects-là. Très bien, maintenant, on va passer à nos astuces. Maintenant. Voilà, nos astuces, il faut dire... la semaine dernière, nous avions parlé déjà... De la façon injuste. Hein. Comment faire au niveau de la séparation, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a laissé de manière injuste. Aujourd'hui, on va parler encore de ce problème-là pour dire que quand ce n'est pas du tout injuste, c'est-à-dire que vraiment ça n'y va pas, mais la personne ne veut pas laisser. On sent que vraiment le couple, vraiment ça n'y va pas du tout. Et vous dites à madame, madame dit vraiment je vais partir, monsieur dit pas question parce que, mais il faut quand même vraiment à un moment donné prendre vraiment la décision de se séparer pour que bon, peut-être que chacun pourra trouver mieux ailleurs. Donc c'est pas souvent facile, on ne demande pas à divorcer, mais ça arrive aussi souvent.
En ce moment, il faut écrire le nom de la personne sur une feuille. Hein. Alors, quand on va écrire le nom de la personne, nous allons chercher juste un peu de menthe, la menthe qu'on met dans les boissons là. Voilà. Et écrire le nom de la personne sur une petite, et plier sous forme de cigarette. Et demander par exemple à Dieu vraiment que la séparation se fasse à l'amiable et que la personne reconnaît, la personne quitte les lieux quoi. C'est pas méchant et vous brûlez, vous faites cela pendant 3 jours. Si c'est l'homme qui demande, il doit faire pendant 3 jours, mais si c'est madame, c'est pendant 4 jours. Voilà, vous allez voir que vraiment les choses vont se séparer, en tout cas de façon amiable quoi, l'amiable. Voilà. Et puis la dernière fois, le docteur a parlé d'un thème vraiment qui est très important au niveau des grossesses. Voilà, et pour faire accepter une grossesse, souvent il y a des grossesses qui n'ont pas de père. Toutes les grossesses ont un père. Voilà, il y a des pères qui ne reconnaissent pas. Voilà, qui ne reconnaissent pas. Voilà, justement, qui ne reconnaissent pas. Maintenant, pour que la vérité éclate, il vous faudra simplement chercher la plante qu'on appelle la marguerite. On en trouve un peu partout. C'est une fleur. Voilà, c'est une fleur. Et puis, bon, la rose, plus une bougie de couleur rose. Alors, il vous faudra aussi un œuf. Sur l'œuf, il faut parler sur l'œuf. Vous allez parler sur l'œuf. Vraiment, la personne à qui appartient la grossesse puisse vraiment, dans un bref délai, se présenter. Et ce que je dis, quand vous faites, ça ne doit pas dépasser 4 jours. La personne en question, s'il ne voulait pas du tout, lui-même, il va venir de lui-même. Il va venir de lui-même pour dire que ah, vraiment, c'est moi, je suis vraiment l'auteur de la chose. D'accord, donc l'œuf, on y met voilà. Les vœux, voilà. Ses souhaits sur l'œuf. Sur l'œuf, et puis ensuite, on brûle ces 3 plantes-là, marguerite, rose, voilà. La bougie de couleur rose. Voilà, vous faites la prière comme quoi vraiment que le coupable soit connu. Vous allez voir, et ensuite, on enterre l'œuf, tout simplement. Vous allez voir, la personne même va se décider venir vraiment se présenter. D'accord. Bon. Il y a aussi, vous savez, il y a des faits aussi, souvent, la grossesse n'appartient pas au monsieur, mais pour son rang social, parce qu'on a vu des personnes à qui on a attribué des grossesses, mais qui ne sont pas vraiment les auteurs. Mais ils sont obligés d'accepter, compte tenu de leur rang social, parce que souvent on peut te menacer, non, on va mettre ton nom dans les journaux, on va informer madame. Donc, à un moment donné, le monsieur, il est obligé. Il est acculé. Voilà, il est acculé. Il y a ce problème-là aussi. Même s'il n'est pas auteur de la grossesse. Voilà, même s'il n'est pas du tout auteur, même souvent, il n'est même pas auteur même de la grossesse. Mais il est obligé, vu son image. D'accord. Là aussi, alors, c'est un phénomène. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Voilà, là, en ce moment, le monsieur va chercher 2 œufs. Hein. Il écrit là le nom de la fille. Et il va demander que vraiment, il faudrait que l'auteur de la grossesse soit connu. Voilà, voilà. Et il enterre. Là, c'est 3 jours. Les 3 jours, les parents même vont trouver le vrai auteur même de la grossesse. Et là, il s'enlève les mains. Parce que souvent, on a remarqué souvent, quand on voit souvent que l'autre, là, il a un rang bien. On a parlé la semaine dernière avec voilà. Le docteur. OK. Et puis, ensuite aussi, si vous voulez, au niveau des SMS, souvent, on vous envoie des SMS, vous ne savez pas, pour vous menacer ou bien soit pour vous draguer, bon. Souvent, ça met mal à l'aise. Peut-être souvent, vous êtes avec monsieur. Bon. Pour éviter tout ceci, vous cherchez simplement un peu de sel. Le sel de cuisine, même si le téléphone est éteint, vous mettez juste derrière. Même vous pouvez allumer le téléphone et puis laisser. Si vous connaissez le numéro de la personne, écrivez simplement le numéro qui vous emmerde là. Parce qu'il y a une dame en Ankwasi qui avait appelé qu'on l'emmerdait lorsqu'elle était souvent avec monsieur, tout ça là. Elle peut prendre simplement une feuille. Écrit, si elle connaît le numéro de la personne, elle écrit, elle met un peu de sel et elle dépose son portable juste le sel étant là sur le feu, sur la feuille de écrit mentionné. Donc on met le sel voilà. Sur le papier sur lequel on a écrit voilà. Le numéro. Voilà. Maintenant, si la personne aussi prend le plaisir de mettre inconnu, écrivez aussi inconnu et puis vous mettez là-dessus, déposez. Vous allez voir. Non, quand vous allez faire, ça va cesser. La personne va arrêter vraiment de vous emmerder. Voilà, c'est quelque chose, ça marche à tous les coups. Quand d'accord. Vous faites ça, si vous connaissez le numéro de la personne, n'hésitez pas à faire. Donc on prend juste un bout de papier, on écrit le numéro de la personne qui nous appelle, voilà, on met justement. Du sel dessus et on le met à proximité du téléphone. Voilà, vous laissez juste, par exemple, on met juste là, le téléphone est là, même si le téléphone est éteint. Que ça soit, si vous le voulez, téléphone est éteint, en même temps, on ne recevra pas de message. Non, mais quand vous allez allumer, vous allez recevoir. Mais vous pouvez laisser le téléphone aussi allumé. Hein. La personne inconnue ou bien le numéro X ne va plus jamais vous emmerder. D'accord. Voilà.
Et aussi, la dernière fois, hier, j'ai suivi aussi toujours mon ami, cher frère Brou, au sujet de la jalousie. Mmh. Voilà. Vous aviez demandé de mettre du piment. Il y a une astuce que vous nous aviez donnée. Oui, ça, c'est du piment avec la verveine. Mmh. Voilà, là, ça, c'est pour. On brûlait le piment. Voilà, on brûlait. Il faut calciner. Il faut calciner. Ça peut disparaître les jalousies. Ouais, les mauvaises bouts, ceux qui sont là à chaque fois. Même bon. S'il arrivait que c'est la belle-mère même qui est à la base ou bien le beau-père, vous faites ça, vous l'invitez même. Quand vous faites pour savoir si la Suisse a marché, vous l'invitez, vous faites exprès. Venez, bon, on veut vous inviter après un pot, comme monsieur. Il va dire non, vraiment, actuellement, je ne peux plus venir. Ça, c'est des trucs. Quand tu fais, c'est des petits trucs que tu fais, mais tu vois les efforts. Voilà, d'accord, on revient à l'astuce que vous apprenez à nous donner. Maintenant, bon, je voulais parler un peu de la jalousie. D'abord, la jalousie, vraiment, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Parce que quand il y a la jalousie, vous faites des nœuds à votre niveau même. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à votre niveau, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à l'autre. Mais vous d'abord, vous êtes en train de vous attacher. Tout ce que vous allez faire, si vous ne voulez pas que la personne prospère dans son boulot, bien la personne n'est pas un mari dans sa vie et c'est vous qui êtes toujours en train d'attacher les choses. Tout ce que vous attachez, c'est vous d'abord. Et quand vous faites cela, c'est trois fois ça se retourne contre d'accord, vous. Donc, pour vraiment éviter cela, même si vous sentez que dans votre travail ou bien à la maison ou bien n'importe où, vous avez des problèmes de jalousie, cherchez seulement la plante, toujours la marguerite, plus le patchouli et puis la rose. Vous brûlez simplement, vous demandez que, en tout cas, parce que là, ça ne fait pas de mauvais œil. La jalousie, c'est une forme de sorcellerie en quelque sorte. Oui, on l'a dit, parce qu'à force d'être trop jaloux, voilà, tu deviens sorcier. D'accord. Donc, il faut faire cela. Et tout ce que la personne va faire, pas forcément le fait d'attacher des gris-gris, mais simplement par le mauvais œil, par les pensées négatives, ça se retourne en même temps contre la personne. Là, vous n'avez rien à voir dedans. Donc, je reprends la marguerite, la rose et puis le patchouli. Okay, voilà, okay. Là, il faut brûler ça au niveau de la maison. Vous faites ça et vous allez voir que les choses vont vraiment... Voilà. Il y a aussi, quand on sent qu'on est beaucoup sous puisque la jalousie, c'est aussi mauvais œil. Quand on sent qu'on est sous une telle prise, il faut chercher du lait. Hein? Ce qui est souhaitable, c'est surtout lait de vache. Faites tout pour trouver un peu de lait de vache et puis vous allez faire un bain avec. Parce que souvent, au niveau du boulot, les gens ont tendance même à mettre les bâtons dans les roues des gens pour ne pas occuper la place de l'autre ou bien soit parce que vous êtes apprécié du patron, etc. etc. Souvent, c'est les jalousies, etc. Il faut chercher simplement du lait. Lait de vache, on en trouve un peu partout. Hein, et vous faites du bain, et vous faites un bain avec, vous allez voir que vraiment vous serez ça beaucoup. Voilà. Très bien. On peut continuer ou bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. On est un peu à court de temps là. On est un peu en retard sur notre planning. Merci beaucoup, Maître Bomba, pour toutes ces informations. 05 88 59 05, c'est votre numéro donc pour tous ceux qui voudraient des informations complémentaires. Merci encore. Alors, très chers téléspectateurs, vous le savez, avec le docteur Brou qui est installé. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, depuis hier, on parle de jalousie. C'est un sujet qui a fait énormément réagir. On parle de jalousie dans tous les domaines, le domaine professionnel, en famille, entre amis, dans le couple également. On a parlé hier des manifestations de la jalousie, on a parlé donc des causes. Aujourd'hui, on va plus parler des conséquences et puis voir éventuellement les conseils et les solutions qu'on pourrait apporter. Bien avant, j'aimerais qu'on regarde ce petit élément. C'est un extrait d'une série, donc des Guignols d'Abidjan. Le titre de l'épisode, donc, c'est Tontine Nyafou Nyafou. Regardez, et là, on a toutes les étapes de la jalousie dans ce qui va suivre. On regarde. Non, c'est que je voulais te demander quoi. Ton agent là, de me donner crédit. Comme ça, au prochain ramassage, quand moi-même je vais ramasser là, je vais te rembourser. Moi, je vais te donner mon argent. Je ne peux pas te donner l'argent que tu vois là. Demain matin, dans le quart de 6 heures, ça s'en va au village. Et c'est ça, moi, je n'ai qu'à prendre pour te donner. Je ne peux pas. Tu sais qu'en ce moment, j'ai des difficultés. Si tu as des problèmes, des difficultés, tu penses que c'est moi qui vais venir résoudre ça pour toi? Hein? Et puis tu es là, j'ai des difficultés, mais ce n'est pas mon problème.
L'argent là, faut enlever tes yeux dessus, hein, parce que je ne vais pas te donner. On te connaît ici dans tes crédits, non? Hein? Quand tu payes crédit? C'est bon. C'est bon quoi? Donc tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes pas. Je ne te donne pas. Nassou, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent là, je sais pas. Tu parles de quel argent? Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent là. Tu parles de quel argent? C'est quoi? Je ne peux pas m'énerver. J'ai dit, mets l'argent dans ma main afin que je ne fasse un malheur. Quel argent? Oh, l'argent de tontine, tu crois qu'on ne m'a pas dit? Ou bien tu crois que mon chien est dingo ou quoi? L'argent de la tontine est parti au village dans le cas de 6h du matin là. Tu as ramassé l'argent. Que l'argent soit parti au village ou pas, ça c'est pas mon problème. Vomis cet argent et mets ça dans ma main. Toi-même, tu m'as dit que tu ne veux pas que je fasse tontine. Donc, quand j'ai eu. C'est pour ça que moi, je t'ai dit que tu ne veux pas faire la tontine. Tu t'es entêté, tu allais faire. L'argent que tu as ramassé là, je dis, mets ici, Nastou. Faut pas énerver. Tu me comprends pas ou quoi? Tu me comprends pas? Tu veux que je me fâche? Mets l'argent là ici! Voilà donc cette séquence qu'on a vue. Alors, il y a l'hypocrisie, il y a le dénigrement, on se réjouit même du malheur de l'autre. Oui, je pense que cette séquence nous dit clairement les conséquences. C'est le souhait que le mal arrive à l'autre. Donc, vous voyez le monsieur qui brutalise sa femme et celle qui a demandé le prêt qui s'en réjouit, simplement parce que cette dernière lui a refusé le prêt. Effectivement, dans les conséquences, c'est ça. Alors, les conséquences, je voudrais qu'on les situe à deux niveaux. Il y a d'abord au niveau de la personne qui en est victime. En général, la personne peut ne pas savoir, mais la personne est dénigrée. On va raconter des histoires sans les moindres preuves. C'est-à-dire, on met tout en œuvre pour détruire la personne. Détruire sa réputation. Oui, il est là, il fait le malin. L'argent qu'il a, on en a parlé ici hier, c'est pas de l'argent propre. Il vole, il vend ceci, parfois sans les moindres preuves. Parce que celui qui est jaloux a un seul objectif, c'est que celui qui est dans une bonne situation se retrouve en situation de misère et de souffrance. Donc il dit, quand on n'a pas eu d'envie, j'envie la chose comme ça ne vient pas. La seule chose qui reste, c'est de souhaiter que le malheur lui arrive, qu'il perde tout. Il est même arrivé dans des villages où j'ai entendu des témoignages du genre, c'est à cause de son fils qui est en ville, qui lui envoie l'argent, qui fait le malin, quand il va mourir, et puis nous tous on a les mêmes choses. Donc vous voyez, jusqu'à même, on va jusqu'à comme on l'a dit, souhaiter. C'est source de sorcellerie même, la jalousie. Justement, j'allais en arriver, c'est à l'extrême, celui qui est jaloux n'est pas loin d'être sorcier. Parce que la sorcellerie, en réalité, c'est la méchanceté. La méchanceté gratuite. Gratuite, sans justification. On est jaloux de l'autre sans motif réel. Et la sorcellerie, c'est le souhaiter le mal à quelqu'un sans raison. Que la personne vous fasse du mal et que par rapport à ça, vous priez que quelque chose de mal lui arrive, ce n'est pas souhaitable.
on peut dire, bon, c'est humain, mais parfois sans motif, par simple jalousie, on souhaite que la personne, jusqu'à sa mort. Oui, alors je rappelle aux téléspectateurs que le téléphone est ouvert 22 40 12 54. Nous attendons vos réactions. On va décortiquer les conséquences. On va commencer par l'hypocrisie. Absolument. Bien souvent, les jaloux sont hypocrites parce que dans votre dos, ils vous dénigrent, ils racontent beaucoup de choses. Mais une fois devant vous, ils vous encensent presque. Absolument. Ils sont toujours là à vous faire de grands sourires, à faire croire qu'ils vous apprécient alors qu'ils n'en aient rien. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que quand celui qu'on dénigre apprend, il est complètement sonné. Parce que l'hypocrite, il a des verbes des plus incroyables. Il parle un français ou sa langue. Il a la bouche. En tout cas, il a le verbe. Il a le verbe. Et quand il vous parle, c'est comme s'il faisait votre publicité. Mais en réalité, dans le cœur, il souhaite le mal. Et donc, quand il tourne le dos, il se retrouve avec vos amis ou d'autres personnes, c'est des choses totalement opposées, diamétralement opposées. Et ça fait que quelquefois, quand quelqu'un vient vous rapporter pour dire « Ah, il faut faire attention parce que voilà ce que tel a dit », Vous n'en revenez pas. C'est lui qui a dit ça et c'est très choquant. Madame Koné est en ligne, elle nous appelle de Williamsville. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Koné. Bonjour. Bonjour, Madame Koné. Madame Koné, vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, 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 c'est déjà fait. D'accord, je vous écoute. Non, en fait, je vous appelle juste pour vous saluer. Je vous apprécie beaucoup, voilà. Merci c'est beaucoup. Très belle. Et puis je salue aussi M. Bamba à côté, voilà. C'était juste pour ça. Je vous salue vraiment, merci. Merci beaucoup, Madame Koné. Merci. Très bonne journée à vous. Docteur, pour en parler donc d'hypocrisie. Ouais, donc l'hypocrisie ça peut faire l'objet d'un. C'est un des symptômes de la jalousie. De la jalousie à son comble, parce que l'hypocrite, il vous torture à la limite. C'est-à-dire, il fait tous les plans possibles. Et c'est pour ça que je me souviens bien que le premier président de Côte d'Ivoire, appelé en son nom, le président Faubourg, disait qu'il avait plus peur de ses amis. Parce que l'ennemi, lui, le connaît déjà, donc chacun prend ses dispositions. Mais l'hypocrite qui est à côté de vous. Alors, l'hypocrite n'est pas loin d'être traître. C'est un traître. Parce qu'il vous tend un piège pour que vous tombiez dedans. Donc il vient vous encenser pour dire oui, tu sais, tu es la meilleure personne sur la terre. À part toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parfois, on va dire jusqu'à Jésus. Enfin, j'exagère. Mais c'est celui-là qui, dans votre dos, montre tous les plans diaboliques possibles pour vous faire du mal. Et c'est bien souvent des personnes à qui on tend la main, des personnes à qui on rend service, on peut leur donner de l'argent. On leur fait confiance de façon extrême. Et dans le dos, oui, de toute façon, il donne son argent, c'est même pas elle, c'est quelqu'un d'autre qui lui donne. Absolument. C'est plein d'histoires comme ça qu'on raconte. Et c'est dangereux parce que vous ne vous méfiez même pas. Donc, même les choses les plus secrètes de votre vie, parfois de votre vie intime, de votre professionnel, de vos projets, à cause de la confiance et du verbe de la personne, vous lui dites tout. Vous ne pouvez même pas imaginer que ce dernier-là va passer derrière vous pour aller vous... J'ai une amie, par exemple, qui avait une jeune femme de ménage chez elle. Elles avaient sensiblement le même âge. Et donc, elle appréciait beaucoup. Et cette femme de ménage a commencé à ressentir de la jalousie à son égard. Absolument. Parce qu'elles ont le même âge et qu'elle travaille pour... elle est sa servante. Voilà. Et donc, ce qui a été découvert plus tard, c'est que quand elle allait au travail, la fille entrait dans sa chambre, elle portait ses vêtements, elle portait même ses sous-vêtements. Peut-être en faisant des photos pour dire que moi aussi j'ai réussi. Donc vous avez le comble hein, jusqu'à où ça peut aller. Donc il y a celui qui, j'ai dit, il y a deux niveaux. Il y a la personne qui est victime, donc qui est dénigrée, qui est humiliée. Parfois vous pouvez même perdre votre poste. Parce que si la personne a la possibilité d'avoir accès à votre patron, cherchant le mal, peut aller fabriquer une histoire pour dire oui, ton agent ou cette personne, elle est ceci, etc. Et beaucoup de choses. La personne peut aller détruire votre foyer. Parce qu'elle est jalouse que sa camarade soit mariée, et on en a parlé, et que le mari s'en occupe. Donc, elle peut aller voir le mari monter. Ta femme-là n'est pas sérieuse. Moi, j'ai la vie dans tel endroit. Et comme souvent, on ne fait pas preuve de retenir de maturité, on se laisse aller, et c'est les dégâts. Ça, c'est le cas des jaloux hypocrites. Il y en a qui sont jaloux ouvertement, hein, qui ne s'en cachent pas. Oui, il y en a qui les sont. C'est peut-être même préférable, comme ça, préférable, on sait à quoi s'attendre. C'est ce que j'ai dit. Et puis, on prend ses dispositions. C'est ce que j'ai dit du président Faubourg. Il dit, celui qui est jaloux que tu connais, tu prends tes dispositions, tu ne vas pas lui dire tes secrets. Mais celui qui joue à l'hypocrite, à qui vous vous confiez, il est dangereux. Mais il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'individu qui lui-même exprime la jalousie. Lui aussi, je crois, mettre maman en a parlé tout à l'heure. On va parler, docteur, des conséquences. Oui. Pour le moment, on a suivi les conséquences pour les autres. On va parler dans quelques instants des conséquences sur soi-même. Alors, on a parlé d'hypocrisie, on a parlé également de dénigrement. Absolument. Propager des rumeurs fausses la plupart du temps sur on fabrique des histoires,
Et en fait, le problème, c'est que quand cette personne-là est proche de nous et qu'elle se permet de raconter ce genre de choses, les autres sont plus enclins à croire. Mais c'est pour parce ça que c'est justement quelqu'un qui vous connaît qui raconte ça. Donc on se dit, il y a une part de vérité, sinon tout est vrai. C'est pour ça que c'est dangereux. Hier, j'en parlais. C'est pour ça que j'ai dit quelqu'un qui est très loin de vous est rarement, forcément, jaloux en réalité. C'est dans l'environnement immédiat qu'on trouve. D'accord. On a un appel anonyme du Gabon. D'accord. Une téléspectatrice donc qui veut garder son anonymat et qui a une question pour le docteur Brou. Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, excusez-moi. On a entendu parler de la jalousie en secteur, en famille, mais en ce qui concerne la jalousie en couple, quelles sont les conséquences qui viennent là sur le temps de ces femmes qui sont jalouses envers leur mari parce que ce sont des maris qui ne mènent pas une vie correcte envers leur épouse? D'accord. Vous parlez de jalousie dans le couple. Quelles sont les conséquences sur... Les conséquences de ces femmes qui sont jalouses parce qu'elles ont affaire aux maris qui ne sont pas corrects. Ah oui, bon, je pense que c'est ce qu'on est en train de dire. Les conséquences se font dans les deux sens parce que la femme qui est jalouse du couple de son ami, son objectif, c'est d'arriver au divorce éventuellement. Et il est évident que si le mari ou le couple n'est pas suffisamment encadré, mature, il n'y a pas de confiance, ça va déboucher effectivement sur le divorce. À la limite, la personne qui fait ça cherche sa place. On a connu des situations où la meilleure amie a été celle qui a pris de la place de l'épouse qui était à la maison. Parce que c'est elle qui vient à la maison. Donc, comme vous étiez en train de le dire, les deux sont si proches, même plus que des sœurs, comme on le dit, elle est plus qu'une sœur pour moi. C'est même plus une amie. Donc, quand cette sœur-là, qui dépasse le degré même de sœur, de fraternité, viens dire à votre mari que ta femme a fait ceci. Si vous n'avez pas suffisamment de capacité de maturité, vous allez vous laisser aller. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, la jalousie en général, ce sont des gens qui ne sont pas très loin de nous. Et c'est pour ça que leur dénigrement marche. Parce que ça fait quelques années, par exemple, moi je travaille avec Eva. On se connaît très bien. Donc si je m'avais raconté quelque chose, les gens sont plus emprunts. Mais ils se connaissent il y a longtemps. Ils travaillent ensemble, ils font ceci ensemble. Donc ils ne vont même pas chercher à vérifier et puis immédiatement on avale comme du sucre ou quoi que ce soit. Mais si c'est quelqu'un qui est loin à la limite, tu la connais où, tu l'as vu où. C'est parce que tu es jaloux. À la limite, on vous fait ressortir que c'est parce que tu es jaloux. Puisque tu ne connais même pas la personne et puis tu racontes. Et c'est ce qui fait que c'est dangereux parce que c'est dans votre entourage et c'est ça qui fait que quand on découvre que la personne est hypocrite, que la personne vous dénigre, que la personne veut vous détruire et que cela sort, c'est difficile. Rappelez-vous qu'on a traité un thème sur l'amitié où il y a des gens qui ne voulaient plus d'amitié. Mm-hmm. Je pense que c'est une des raisons. Monsieur Blé est en ligne, il nous appelle de l'aéroport. Allô? Bonsoir.